Mahama, rapporté par l'imam al-Nasa et avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Toute personne men qara'a, qui lit Ayatul Kursi, un seul verset, un verset très court, hein, Ayatul Kursi, après chaque prière obligatoire, ça ne te prend que quelques secondes, hein, rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire entre toi et le paradis, le seul obstacle qu'il y aura, c'est al-maut, la mort. Ayatul Kursi, c'est le verset du repose-pied, c'est le verset 255 de Suratul Baqarah, donc la sourate 2 du Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc ce verset coranique, apprends-le, si tu ne le connais pas, lis-le, ça te prend quelques secondes après chaque prière obligatoire, et entre toi et le paradis, il n'y aura que quoi ? Al-Maut, la mort. Qu'Allah vous préserve, salam alaikum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو